pardon, mais quand on voit votre peau et votre visage... Non, on n'est pas ici pour parler épiderme. La journée juste avant, je travaillais à l'école. Quand je vois sur mon téléphone 15 appels manqués, je vois des tas de messages. C'est Gilles Verdez qui m'appelait directement. Il voulait absolument que je donne le numéro de téléphone de la hiérarchie, de l'inspection. Il m'a fait très peur parce que je me suis dit... Que fait-il? Il va me faire virer, il va aller crier. Vous savez, il est très connu pour ses colères, Gilles Verdez. Tournez-moi, je ne veux plus voir sa gueule. Donc je m'attendais à ce qu'il les engueule au téléphone et qu'après, moi-même, je me fasse engueuler. Et au final, pendant l'émission le soir, il a passé tout son temps à me soutenir. C'est vraiment un débat essentiel sur le droit à la différence. Voilà.